Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Yakuza 2, donc pour le chapitre 29, donc que j'enregistre à la suite, hein, donc c'est pour ça que je suis au niveau des sauvegardes, parce que dès que je vais quitter, enfin il y aura peut-être pas de cinématique directe, mais vu que j'en suis pas sûr, je préférais m'arrêter là. Donc c'est parti. Donc je vous rappelle, la dernière fois on a réussi à sauver Haruka, qui était retenu chez Sengoku dans dans son château là. Donc Sengoku, pour rappel, il est mort, il s'est fait buter par Yuji. Et nous, du coup, on a récupéré Haruka. Il y a Kaoru qui nous a rejoint. Grâce à sa mère, je crois. Enfin, elle a réussi à repister le truc, je sais pas exactement comment, mais elle dit que c'est sa mère enfin sa mère adoptive, hein, qui lui a donné l'info, mais après, je sais pas comment elle a pu tout retracer ou quoi. Et on a vu aussi que Kawara était dans les parages, qui nous surveillait, mais lui est resté dans l'ombre, contrairement à Kaoru qui nous a rejoint. Donc voilà. Donc c'est parti, on va continuer. Donc on arrive au chapitre 13, et celui-ci s'appelle Squaring Up. Je sais pas trop ce que ça veut dire. これでよし。ありがとこれ、一体どういうことなの？どうした？ママが残していった走り書き。なんて書いてある？あなたのお父さんは生きている。だから桐生さんを信じてあげて。生きている？生きているって言ったって、一体どこの誰なのよ。ママ、こんなメモ残してどこへ行ったんだろう。民夫さんの姿が見当たらないのか。この辺りを探してくるわ。誰がいなくなったの？あの女の人の今のお母さんだ。Donc on vient d'apprendre apparemment par un message de Tamio, donc la mère adoptive de Kaoru, que son père apparemment serait toujours en vie. Et donc du coup, bah non, on se demande qui c'est du coup, parce que si l'autre il est censé être mort, donc c'est pas son père dans ce cas-là. Donc voilà, bonne question, on verra ça plus tard. Alors Kiryu, donc c'est ta première fois dans le Kansai, à aucun? Ouais. J'ai pas beaucoup voyagé en gros. Bien. Maintenant que nous sommes là, ça te dirait de faire un petit tour en ville? Tous les deux? Ouais. Enfin, yeah. Allons-y, oncle Kaz. Et donc, du coup, on récupère Haruka et on va pouvoir se promener avec. Lui faire quelques activités un petit peu comme on avait fait au tout début du jeu, je crois. De mémoire, il me semble. Et bon, on l'avait fait aussi dans Yakuza 1, je crois, de mémoire. Donc, voilà. Alors, par contre, je vais voir au niveau de l'inventaire, parce que là, ça devient un peu compliqué. Ça, je vais le jarter, parce que ça pue la merde, il n'y a pas d'autre terme. Si je vous rappelle, ce truc-là, en fait, ça m'empêche d'augmenter en fièvre. Donc, j'ai beau me battre, la fièvre ne monte pas, en fait. Donc, c'est nul à chier, quoi. Autant m'en débarrasser. Donc toutes les armes, je les mets là, comme ça, il n'y a pas de souci. Ouais, puis c'est tout, quoi. Je vais rester comme ça pour l'instant. Je pense que je vais racheter de l'équipement, voilà, par la suite. On va voir avec Haruka. Puisque vu que je vais me trimballer un peu partout dans la ville, il y a peut-être moyen. Donc c'est parti. Alors, par où commencer? Alors ça, on ira en dernier, ce qui me semble qu'il y a une quête là-bas. Pour éviter toute connerie.
On va d'abord aller ailleurs et après on finira là-bas. Ah, quoique, je crois qu'il nous oblige un petit peu à le subir. Hein. Oji-san, oji-san. Allé, mite, Sakura da yo. Hmm? Haruka no shiriai ka? Chigau yo. Fukunaga Sakura. Joyou-san da yo, yumei na. Jun Shachou. Daiki no drama no ken, yoroshiku ne. Ah, wakatta. Oshi ni makasukatte. Alors à la limite, quand tu vois ça, tu te dis Pédoland est arrivé. C'est pas possible, quoi. Le mec il est choqué. Mais en fait, il va nous expliquer pourquoi. Et Miss, toi là. Petit ange, tu as un œuf doré, un diamant, je sais pas quoi, une roue, je sais pas ce que ça veut dire. Je peux te le dire, les filles comme toi, en gros, ils ont une aura qui fait que tout bouge autour d'eux, je sais pas quoi. Non. Ah non, d'accord, ok, il y en a très rarement, et là, il dit carrément que c'est limite une par siècle, quoi. En gros, elle va être bourrée de talent, je sais pas quoi. Donc c'est un producteur télé, hein, je vous rappelle, dans la cinématique. C'est peut-être pour ça que ça l'intéresse. Qui êtes-vous, monsieur? Qu'est-ce que vous voulez? Tu rêves pas de devenir une star Mon ange, une grande célébrité, bien sûr. Tout le monde veut l'être. Haruka, tu es le père de cet ange. Enfin, vous êtes le père de cet ange. Bon, après, c'est pas grave hein, si je vois pas, mais vous comprenez le truc. Laissez-moi m'introduire. Alors, je suis le président de Sotenbury Productions, ravi de vous rencontrer. Sotenbury Productions, nous sommes une agence de talent. Que pensez-vous de, en gros, de laisser votre ange ici où il veut s'en occuper, quoi? Je peux garantir que si elle grandit, enfin quand elle grandira, ça sera une grande star dans le Japon. Quoi. Notre bureau est juste ici. Ça vous dirait de venir pour un petit entretien. Allez, oncle Kaz, on y va. Allez, juste une petite conversation. Si vous voulez, si vous êtes pressé aujourd'hui, peut-être une autre fois. Ok, ici, on le fait maintenant. On va le faire. Vous avez un téléphone? Ouais. Donc là, apparemment, on donne le numéro. Et d'accord, ok. J'ai programmé mon numéro privé, je sais pas. Si vous changez d'avis ou je sais pas quoi, appelez-moi. Je vous attendrai. Tu es sûr, Haruka? Oui, je ne suis pas intéressé. Ah d'accord, ok. Bah j'avais compris le contraire. J'ai mal traduit, mais il me semblait. Mais bon, bref, vous voyez, on se retrouve au sud de la ville, alors pourtant j'ai été au nord volontairement. Donc il nous oblige en fait à passer là. Directement. C'est pour ça que je voulais faire en dernier ce truc, mais bon, bah tant pis, maintenant c'est fait, c'est fait. Alors, par contre, faut qu'il me suive rapidement, sinon on va pas y arriver.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire faire? On va s'alcooliser dans un bar? Non, on va éviter quand même. Bon, je sais pas, on va l'emmener au club Sega ou le truc de... Je sais plus s'il y a un truc de bowling ici ou si c'était ailleurs. Ah, j'ai reçu un message, attention. Est-ce que c'est le mec Tatsu? Ça a l'air d'être lui, non? Please over, we got... Ah non, c'est le... Mais oui, c'est le mec qui vend des armes. Oh putain, faut que j'y aille. Tout de suite. J'ai tellement de trucs à vendre. Ah, j'espère qu'elle me suit. Elle galère un peu. Bon, on n'a pas la même taille de jambe, c'est sûr. Je vais profiter pour voir s'il y a des choses dans le casier. Parce que je crois que j'ai ramassé une ou deux clés depuis. Alors, bon, une seule en fait. La 38. J'en ai ramassé pas mal en fait quand même. Porte-monnaie italien apparemment. Alors normalement il est de l'autre côté. En espérant que ça soit toujours le cas. Allez, suis-moi. Donc ouais, j'espère que je vais pouvoir vendre mes armes. Normalement j'ai pas besoin de les avoir sur moi. Hein. C'est quand c'est dans la planque, c'est pas grave, ça compte quand même. Donc j'espère que ça va être le cas là. Parce que là, laisse tomber quoi. Tellement de choses à vendre, des petits trucs de merde et tout, je vais me débarrasser de tout ça. Il est pas là? À moins que c'est lui peut-être. Ah non, c'est pas lui. Bah non, bah il me semblait que c'était là, c'est encore plus long. Ah, il est là. Ok. Putain, j'y croyais plus. Allez, appelle-le. Ramène ton gros bateau, là. Alors. Vendre. Là, je vais me faire un max de thunes. Si j'ai chopé les bons katanas... Oh, putain, mais non, ça vaut rien, ça. Oh, je suis deg. J'ai pas dû choper le bon, alors. Merde. Bon, j'ai quand même tout vendre, mais bon, t'es chier, quoi. Je pensais que j'avais chopé le bon. Tant pis. Voilà. Et on va voir ce qu'il vend, mais bon. Je sais pas si je vais acheter quelque chose. Point du dragon. Button 10, rien. Ouais, bon. Ouh, le truc du SWAT m'intéresse, mais il est trop cher. Putain, j'aimerais bien la choper. Hein. Il manque un peu de sous. Putain, merde, comment je pourrais faire? Bon, je sais que là, techniquement, il sera toujours là. Mais je peux pas retourner à Tokyo pour vendre mes objets. Il y a pas un truc qui refourgue des objets ici? Attends, on va voir ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le truc de ramen. Ça, je sais plus. Ça doit être la pharmacie. Golf, Sega. M-Store. Zuboraya, ça doit être un restaurant. Sonora, je sais plus. Ça, c'est un bar. Club de Mahjong. Komian, ça doit être un resto, je pense. Putain, il y en a pas un. Le marché. Prime. Gandara. Je crois pas qu'il y ait de trucs. Hein. Oh putain, ça me dégoûte quoi. Je pourrais tellement. Il faudrait que je me fasse du fric, mais bon, voilà quoi. Ça peut pas tomber comme ça. Ah merde, on peut pas passer par là. Je pouvais essayer longtemps. Bon, c'est pas grave, on va faire autrement. Enfin, je vais quand même essayer là-bas, parce qu'il y a des trucs... C'est quoi déjà le nom? Zuboraya et... Je vais voir déjà Zuboraya ou je sais pas quoi, là. Je sais pas où elle est, à aucun. Ah, elle est là. Elle devait être un peu buggée, je pense. Parce que je kifferais bien. Je pense que ça doit être une arme, un truc surpuissant, quoi.
Parce que les trucs violets comme ça, j'en ai jamais vu avant. Je t'en avais déjà parlé, il y avait des robes comme ça qui étaient en violet et tout. Tu te dis, je sais pas, c'est un truc important, quoi. Je pense que, ouais, ici, je vais pouvoir vendre des trucs. Non ? Bienvenue, bienvenue. Oh putain, non, c'est de la bouffe. Fais chier. Bon, ça sera pas long, en tout cas. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, ouais, il y avait des trucs violets et c'est forcément un truc stylé, quoi, ce objet. Qu'est-ce qu'elle a, cette meuf ? Ce Tufo Catcher est... Enfin, est bugué, enfin, ils ont... C'est une arnaque, quoi. C'est tellement dur. Homash Money et... Elle veut quelque chose, quoi. Non, mais je lui aurais donné. Mais... ouais, du coup, je vais aller de l'autre côté. Je vais tenter ma chance. Putain, mais comme par hasard, il n'y a pas de truc qui achète. Quoi. C'est bizarre ça. Ou ça se trouve, c'est encore un truc à la con planqué qu'il faut trouver avec une. Une quête, peut-être. Pour le coup, je ne sais pas du tout. Alors, c'est quoi ? Ah, ça, c'est le marché. C'est ça que je voulais voir. Ah, merde, c'est qui ? Attends, c'est qui ? Ce mec, il m'est familier ? Ah bon ? Ah, oui, c'est vrai, il y avait une quête avec trois photos. Il est là ? Bah, vas-y, on va s'occuper de lui. Puisqu'il est devant nous. Rappel de cette fille. Donc on montre la photo de la meuf. Je l'ai jamais vue avant. Peut-être qu'elle vient d'un club ou je sais pas quoi. Attention, le menace. Où est-elle? J'ai l'impression qu'ils sont un peu non-gueule, non ? Bon, là, on le menace encore. Lui, il essaie de riposter. Bon, c'est bon, ça va finir en fight, de toute façon. Alors, bon, il est solo, ça. Bon. Les autres, je sais pas, ils sont par contre. Hop là, t'as voulu me la faire à l'envers. Par contre, je vais jarter ce truc là parce que... Dès que j'appuie sur rond, le problème c'est que ça active la technique. Allez, lève-toi. Allez, bim. Ah, il a pas mal de vie, mine de rien, il a une barre verte. Hein. Je crois que c'était une barre normale. Fais en fait. Gaffe. Allez, bim. Allez, arrête de simuler, là, réveille-toi. Voilà. Bon, j'imagine qu'on est obligé de tuer les trois pour retrouver la meuf. Ça paraît évident. Après, les deux autres, je sais pas où ils sont, quoi. Alors, next up, Kajiwara. Ah ouais, faut peut-être le faire dans un certain sens, du coup, ce que s'il dit Kajiwara, c'est que... Ah, c'est peut-être là que je peux vendre mes trucs. Ah, ça y ressemble, en tout cas. Hi. Alors, je viens pour vendre. Donc, le truc italien, déjà, il dégage. Ensuite... Ouh, la montre suisse, pas mal.
Je m'attendais pas qu'elle coûte aussi cher. Le plat, pas mal non plus. Voilà, c'est bon, j'ai largement aussi, hein, mais je vois ce que je vends d'autre. Tout ce qui est truc d'italien, si encore le masculin, ouais, parce que voilà. Mais le reste pour offrir aux hôtesses éventuellement, ça peut être sympa. Ça, je vous en vends aussi. Je sais pas vraiment à quoi ça sert ces trucs-là. Truc d'Aruka, c'est des petits bonus, mais bof, je sais pas vraiment à quoi ça sert. Le clan de bail, ouais, tu peux l'acheter dans aucun store, mais bon. Voilà, quoi. Ah, remarque, il vend peut-être parapluie, je sais pas quoi, lui. Pour Granny White, la fameuse. Alors. Ça a pas l'air, hein, pour l'instant. C'est quoi ça, Harry Teacher? Ah, ça c'est bien, c'est la déité des enfants, ça je crois. Ouais, c'est ça, ouais, c'est le nom. Bah, c'est le truc que j'utilisais dans Yakuza 1, ça permet de pas se faire attaquer par plusieurs mecs en même temps, je crois, il me semble, un truc comme ça. Je vais l'acheter parce qu'il me semble que c'est cool. Et par contre, ce qui est con, c'est que lui, il vend quand même des armes. Je comprends pas le délire. J'ai vu qu'il y avait un truc qui clignotait, hein. Si vous posez la question, vous inquiétez pas. Je vais le choper après. Mais il achète pas d'armes, mais il en vend, quoi. C'est quoi ce délire? Oula, carrément une arme, enfin une armure sacrée et tout, je sais pas quoi. Le fameux bouclier ultra blindé, quoi. Et l'épée de l'eau, encore. Ouais, bon bref. Du coup, normalement, je crois que ça sert à ça. Ouais, c'est ça, c'est... Normalement, techniquement, ça empêche aux gens de casser les bonbons, en fait. Quand tu combats un mec, y'a personne qui va te choper derrière ou quoi. Enfin, il me semble que c'est ça. Dans Yakuza 1, je crois que c'était ça. Donc, on récupère une petite clé et on s'en va. Alors, du coup, la vue où je suis... bah, je vais aller au casier. Puis après, on va s'amuser avec Haruka. Parce que de toute façon, même si je le voulais pas, on va dire que j'ai pas trop le choix, puisque faut faire un certain nombre d'activités, je pense, avant de débloquer la suite du scénario. Donc c'est ce qu'on va faire. Est-ce qu'il y a quelque chose éventuellement ça? On va voir ça. Elle est où là? Je la vois même pas, la meuf elle est paumée, quoi. Pourquoi j'ai été téléporté Ah oui, c'est vrai, bah oui, parce qu'il y a deux entrées, en fait. Mais Haruka, elle est planquée ou quoi? Elle est où? Je la vois pas. Ou elle est restée dehors? Mais ça veut dire qu'elle a pas... Elle veut pas consommer quelque chose, quoi. Non? Je sais pas. Bon bah, au revoir, hein. Je sais pas quoi dire de plus, quoi. Si elle est pas là ou qu'elle veut rien, je sais pas. Là-bas, c'est pour elle que je viens, donc... Tiens, j'ai perdu un peu de vie, on va alterner. Hop. Alors... Yes. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer comme spécialité? Je crois que j'y étais déjà allé ici. Hein. Alors, donc on va commander pour deux, du coup. Il y a plein de choses encore. 30 000 le bordel. Je sais pas ce que c'est. Ouais. Allez, on va se grailler du crabe, allez. Hop. J'ai pris un truc de luxe quand même, à 25 000. Ça fait quand même cher payer. Voilà. Donc, on règle la facture et on se casse. Donc, on va aller au casier. Et après, oui, c'est vrai qu'il faut que je retourne voir le marchand d'armes pour lui acheter le truc du SWAT, là. Alors, le 47.
Ok, bah ça c'est sympa, c'est du son. Parce qu'après, ouais, j'essaie de réfléchir à ce que je pourrais faire avec la Miss. Club Sega, ouais, c'est le truc le plus basique. Enfin, si ça l'amuse ou quoi, parce qu'on verra, quoi. Je sais pas trop. Est-ce que là, ils disent quoi, sinon? Non, c'est comme ça, je crois. Ouais, voilà. Haruka, une star, je ne peux pas l'imaginer. Elle n'a pas l'air intéressée, ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai que, ouais, pour revenir à ça, tout à l'heure, j'ai l'impression que elle, ça l'intéressait pourtant. Parce qu'après, je connais la suite. Et je sais que ça va dans le sens où elle est pas intéressée, pour une certaine raison. Mais, la phrase, ça semblait être l'inverse. Je sais pas. Pas compris, quoi. Allez, ramène ton poteau. Hi. Putain, n'empêche, les SDF dans les jeux de Yakuza, ils ont toujours des histoires cheloues, quoi. Alors, acheter. Hop. Et on va récupérer le truc du SWAT. Voilà. Il était pas violet tout à l'heure? Je sais pas. J'ai peut-être halluciné, je sais pas. Ah, mais d'accord. Attends, mais si tout est violet, ça veut dire que c'est parce que j'ai pas de thunes, en fait. Oui, c'est ça, en fait. Mais je suis con. En fait, ça a rien de spécial, c'est parce que je suis pauvre. Les mecs, ils s'est créé une vie, genre, ouais, il y a des trucs spéciaux et tout, mais en fait, c'est rien de spécial, c'est juste que je suis pauvre. Ok. Bah, du coup, je vais lui revendre celui-là. J'en ai plus besoin. Enfin, quoique. J'espère qu'il est pas lourd ou quoi, parce que ça se trouve, si je me fais baiser, ça donne que 10 en défense, c'est ça qui est nul. Mais après, contre les armes à feu, c'est bien. Et celui-ci donne combien? 6? Ok. Non, bah, on va garder le truc du SWAT, quoi. Donc, oui, par contre, faut que je vende l'autre, quoi. Alors. Je sais pas combien je vais pouvoir le revendre, je crois qu'il m'a coûté 300 000, un truc comme ça, non? Ouais, ça doit être ça, c'est divisé par deux, en fait. Ça, je vais le vendre aussi, parce que de toute façon, il est mort. Hop, et hop, voilà. Comme ça, je remplis un petit peu les caisses. Parce que, mine de rien, j'ai perdu beaucoup de thunes d'un coup. Non, c'est bon. Je m'en vais. Voilà. Donc, voilà, bah, direction Club Sega, maintenant. Je crois que j'ai tout fait. À moins qu'il veut bouffer des okonomiyaki ou je sais plus quoi, ou des teriyaki, je sais plus. Non, c'est pas teriyaki. Il me semble que c'est okonomiyaki, je crois. Il va peut-être en vouloir. Attends, je vais m'approcher du truc, peut-être qu'il va demander. Oh putain, encore une racaille. Ah non, c'est takoyaki, je crois. Bon, on va voir ça après. Putain, ils ont ramené tous leurs potes, là. P, dommage. Je vais essayer de faire des enchaînements stylés, mais je me foire. C'est la misère totale. Mais oui, c'est ça, ouais. Depuis que j'ai la déité des enfants, vous voyez, je suis occupé d'un mec, et ben, y a personne d'autre qui m'attaque. Donc ça, c'est super efficace comme truc. Ça aide trop, en fait, genre les combats de boss quand ils ont des subordonnés qui me cassent les couilles. Non, franchement, c'est pas mal. Hop, hop, hop. Là, par là. Je sais pas si on peut l'envoyer là-dessus. Je m'attends à un truc plus stylé, dommage. Bon, ça semble un petit peu différent d'habitude quand même, mais c'est pas... Je voyais bien genre cramer la gueule sur la plaque chauffante. Ça aurait été drôle. Mais... Je crois que j'en demande peut-être un peu trop quand même. Il y a déjà pas mal de possibilités, ça va quoi. Enfin, après c'est surtout avec les armes les possibilités quoi. Mais faut en avoir sous la main aussi, ça c'est autre chose.
Bon, allez, foutez-moi la paix, les racailles. Est-ce qu'elle veut ketchup ou pas? Ça a pas l'air. Bah écoute, je sais pas, on va prendre des vins. Bon, en tout cas, ça a pas l'air d'avoir fait quelque chose pour Haruka, donc c'est pas grave. J'en ai acheté pour moi, comme ça, si j'ai besoin de vie, bah ça sera pris. Et du coup, je vais aller au club Sega, puis on verra. On verra s'il se passe quelque chose ou pas. Hop. Alors, est-ce qu'elle veut jouer à quelque chose? Elle me suit bêtement pour l'instant, en fait, ça le truc. Mais non, elle me suit même pas, là, d'accord, ok. Sympa. Je sais pas. Je crois que il y a histoire de la star, là je vais y retourner parce que je sais pas quoi faire quoi. Il se passe rien donc. Je vais prendre le taxi pour aller plus vite. Je vais faire ça parce que là je vois pas. Franchement. On dirait qu'il y avait rien de spécial, donc on va aller à l'essentiel. Ça évitera de perdre du temps. Encore? Ouais non, là, tu me laisses tranquille cette fois, s'il te plaît. Hop. Alors, Wammer, je pourrais l'emmener là-bas. C'est vrai que j'y ai pas pensé, ça. C'est vrai que j'avais pas essayé ça de mon côté. Ouais, je pense pas que ça va lancer quelque chose de particulier, quoi. Enfin, remarque, si elle va peut-être kiffer aller en haut de la tour. Je sais pas. Bah, j'ai peur de perdre mon temps, en fait. C'est pour ça que j'hésite. Je serais bien tenté, quand même. Bon, je sais pas. On va voir déjà le mec, là, et après, voir si on a toujours la possibilité de se promener avec Haruka. Et je tenterai peut-être, ouais, d'aller l'emmener à la tour sous Tenkaku, juste pour voir. Il y aura peut-être une petite animation, quoi. Parce qu'il y a des cinématiques en fait qui sont pas présentes dans les bonus. Où il y a. En fait, c'est vraiment que les cinématiques du mode histoire. Histoire quoi. Enfin, histoire et même des quêtes plus ou moins secondaires mais qui sont intégrées à l'histoire en fait. Où t'es obligé de les faire. Genre avec Takashi, le mec qui croyait que sa meuf le trompait alors qu'en fait c'était son père. Et ben ça c'était compris dans l'histoire donc il y avait les cinématiques. Mais l'autre truc où on s'était retrouvé avec un mec de la... un Yakuza avec ses hommes qui se prenaient pour des bébés, là, bah ce truc-là, c'était pas dans les cinématiques, j'ai dû le traduire après. Donc, peut-être qu'il y a d'autres trucs comme ça cachés que je connais pas, parce que voilà, je... une fois, j'ai pas forcément tout essayé, quoi. Bah non, mais c'est un truc de DVD, ça. Bah non, enfin, je sais pas, non. Je sais pas quoi faire du coup avec. À moins que je peux appeler le mec, puisque il m'avait peut-être donné un numéro. Je comprends pas trop là. C'est quoi ça? Ah oui, mais ça c'était l'hôtel machin. Sinon, il reste les deux gars de jeu. Et ça, celui que j'ai pété, ouais. Alors c'est... ouais, c'est Kajiwara le prochain, il a dit. Putain, c'est un mec en costard tellement lambda, quoi, pour le trouver, lol, quoi. Lolilol. Ouais, là, du coup, ouais, je sais pas trop quoi faire. Je vais juste aller dans le coin, là-bas, voir s'il y a Kajiwara ou je sais pas quoi. Et s'il n'y a rien, je reviens et je prends le taxi. Et on va essayer d'aller justement à la tour Tenkaku pour voir. On verra si ça débloque la situation ou pas. Et on est à 34 minutes en plus. Elle en galère quoi. C'est marrant, je trouve, comme elle court.
Ce serait peut-être par là le mec. Ah non, non. Eh ben écoute, on va prendre le taxi et on va aller à Shinseisho. Voilà. Peut-être qu'il sait, il voudra se promener. Peut-être qu'il fait la tour en plus, c'est éclairé et tout. Mais je peux pas lui parler, donc du coup j'ai aucun indice quoi, je me traîne un boulet en fait, c'est cool. Parce qu'après j'avais été partout. Il est toujours là. Oh merde, il est dans la carrière, putain. Je vais la contourner parce que la flemme, j'ai pas envie de me battre. Je veux juste avancer dans le scénar si c'est possible. Remarque, une vue de la nuit, j'ai pas testé, hein. Ça peut être sympatoche, on va voir ça. En haut de la tour. On va voir ça. J'ai toujours pas de mouchoir pour le pauvre gars qui est en PLS. Alors. Hop. Yes. Normalement elle est avec moi là. Elle a peut-être trouvé ça cool, hein, qui sait. Ah, on peut plus examiner, dommage. Bon, on voit quand même un petit peu de loin, mais bon. Ça casse un peu le truc, quoi. Et là, il y a rien, on peut rien faire. Ok. Ça, c'est tout ce qui est souvenir. Bon, bah, ouais, enfin, je suis perdu, là. Je fais quoi, moi? Haruka, tu me saoules, là. Dis-moi ce que tu veux faire, je sais pas. T'as bien un objectif dans ta vie, moi, je sais pas. Se promener quelque part, profites-en, là. Qu'est-ce qu'elle fait? Je crois que c'était buggy. Putain, les enjambées qui est fait, quoi. Bah, je sais pas, écoutez. J'ai voulu tenter des trucs logiques, mais ça marche pas. Donc, moi, pas savoir quoi faire. Moi, je vais t'abandonner dans un coin, tu vois. Puis voilà. Je sais pas. Je pense que je vais me casser d'ici déjà. Ce serait une bonne chose. Et après, je vais voir parce que je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? La dernière nuit, j'ai rêvé du... Ah oui, c'est vrai. Ah non, c'est vrai, c'est là. J'ai... Ah oui, c'est vrai, parce que j'y avais déjà parlé. C'est elle qui disait que le château se coupait en deux. Et ça, vous l'avez vu quand on y était. Sauf que là, depuis, elle a modifié les textes. La dernière nuit, j'ai rêvé que le château était doré. Et oui, parce qu'en fait, quand la coque s'ouvre, il y a un château doré qui se pose. Mais non, ce n'était pas un rêve, tu l'as bien vu. Ça, c'est le petit détail qui change. Oula, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose là-bas encore. C'est quoi ça déjà? Et vous avez entendu la fille... Elle a volé quelque chose dans une dans l'agence de talent, je sais pas quoi. Ouais. Say it, pay for it, she gets. Bon, pas trop comprendre. Bon, vas-y, fous-moi la paix, je verrai plus tard. Pas envie de me faire chier avec ça. Ah, mais non, mais c'est pas là, pourquoi je suis là?
Merde. Non, non, c'est bon, j'ai bien répondu. C'est où le truc de l'agent? C'est là? Ah non, c'est là. Pourquoi je peux pas rentrer? Ah, je suis obligé de passer par ce truc-là. Oh putain. Allez, bébé, donne-moi le reste, ou je sais pas quoi. J'ai dit avant et je le redis encore. Vos agents sont tous des... je sais pas quoi, crooks, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, en gros, il est en train de dire j'ai rien fait, je sais pas quoi. Donne-moi ça. Je sais pas, tu fais pas d'efforts, je sais pas quoi. Dans ce monde, les efforts... En gros, si les gens font des efforts ou pas, c'est ce qui va déclencher si on achète ou pas, ou je sais pas quoi. Bon, vas-y, là, ça me saoule, là, cassez-vous. Là. Je veux juste rentrer dans ce putain d'endroit. Vas-y, attends là si tu veux. J'espère qu'ils vont pas me la kidnapper, hein, sinon ça va pas le faire. Ah, je vous attendais, s'il vous plaît, venez. Bon, on est déjà assis, mec. Bien sûr, bien sûr. Alors, merci pour ça. Alors, si... on pourrait, donc, si vous la laissez là, on pourrait, donc, l'entraîner, machin. Voilà, faire des sons, l'apprendre à chanter, à danser, etc. Donc, tout mettre en place pour ses débuts. Et, on pourrait négocier un super contrat, ou je sais pas quoi. Et bien sûr, ce n'est pas tout. Elle ira dans une superbe école aussi. Ça semble généreux, comme dit Kiryu. Bien sûr que ça l'est. C'est un investissement pour le futur, mon ami. Cette fille va devenir grande, quoi. Je suis sûr que ses agents vont back 10 times. Je sais pas, en gros, il y a un retour sur investissement, j'ai l'impression. Vous savez pas le regretter, voilà, machin. Je crois en mon instinct. Enfin, je fais confiance en mon instinct. J'arrive toujours pas à imaginer Haruka en tant qu'actrice. Je veux juste qu'elle vit bien avec une vie honnête, quoi. Bien sûr, je comprends votre inquiétude à propos de la fille. Comment dire? Vous ne voulez pas, en gros, tous, je sais pas ce que ça veut dire, mais, qu'elle, je sais pas, qu'elle, là, dans le show business, dans le monde du show business, je sais pas, c'est parce qu'il y a plein de mecs, des yakuza, ou je sais pas quoi. Je comprends. Yakuza, hein. Haruka a été kidnappé 4 fois. À ce point-là. Je me rappelais pas que c'était à ce point-là. Là, c'était qu'une fois, mais avant. Elle s'était fait kidnapper par, il me semble que c'était les hommes de Majima, je crois. Quand on avait au truc de baseball. Je me semble pas qu'elle ait été kidnappée autant de fois. Je sais pas, peut-être. Bon, en gros, ça y résume un petit peu tout ce qu'elle a eu, quoi. Donc, soit on lui dit, donnez-moi un peu de temps, ou je fais ce qui est de mieux dans son meilleur intérêt, quoi. Bon, je vais répondre ça. On va voir. Je sais plus du tout ce que j'avais répondu l'autre fois, s'il y a un choix multiple ou pas. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Attends, on a dépassé les 1 heure avec ces conneries. Qui sont ces gens? En fait, je crois que je vais couper une partie de la vidéo. Parce que j'ai beaucoup de vidéos d'une heure et ça va être violent upload, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai pas upload encore. Et tout ce que je vous ai dit, j'irai à la tour de Sutenkaku et tout, et j'ai essayé hein, de faire plein de trucs avec Haruka, mais ça a pas marché, du coup je pense que je vais couper un morceau de la vidéo, comme ça elle sera plus courte.
Des mecs d'une agence rivale. Putain, ils veulent la choper ou quoi? Ah, ils parlent de l'Alliance Omi, attention. Notre agence est mieux. Enfin, elle s'occupera mieux de toi, je sais pas quoi. Laissez-moi, Haruka. Oncle Okaz et aide-moi. On va leur casser la gueule. Ouais, c'est ça. Cassage de gueule en cours. Bon, ils l'ont mérité en même temps. On touche pas à Haruka. Sautenbrick. Hop. Hop là, contre-attaque au sol. Toi, dans le mur. Et c'est fini, déjà. Ce fut très rapide. Et je crois que c'est là qu'elle va pas vouloir du coup, Haruka. Alors. Oh, surprenant, machin, stupéfiant, je sais pas quoi. En gros, bon, bah, vous allez signer le contrat. Dans le bureau maintenant, toi aussi, mon ange. Bien. Bon, il a pas l'air d'être très chaud. Quel contrat, oncle Kaz? Ben. On vient juste de le décider. Tu vas devenir une idole. Une idole. Le futur s'annonce rose pour toi. On va t'envoyer dans une école, une très grande école. Tu vivras comme une princesse. Et là, Haruka, elle est pas d'accord. なんで勝手に決めるの？冗談じゃないわよ。え、お父さんは君の人生のためを考えて。私は今のままで十分幸せなの。 하루가 聞いてくれ. いや! おじさんも 私を捨てるの? 私 もう一人になりたくない. そうじゃない. 俺といると またお前に怖い思いをさせる. 怖くなんかない. いつも おじさんが守ってくれたから。 どうしても私を置いていくって言うなら、一人でも会いに行くよ。カムロ町までおじさんに会いに。あるか。さあ、帰るよ。ちょっと待っていいな。ここまでしてわし、この無理かいな。なせっしょうな。わしの金の卵が。 わしのダイヤの原石が。ごめんね、社長さん。いや、それ、その笑顔。何でも許したくなるその笑顔が君の仏家で。バイバイ。ほな、さいなら。 Et ouais, le mec il est trop deg. Il a loupé une affaire en or. Tant pis pour lui, non? Et rappelle-toi de la fille d'avant. Elle chante, enfin elle avait une bonne voix, quand... enfin une bonne voix de chanteuse, je sais pas quoi. Elle a toujours pratiqué. Elle pratique toujours proche de la rivière, je sais pas quoi. Oui, machin. Elle travaille dans un bar, c'est ça? Ouais, le Stige, là. Je sais pas quoi. Celui où on avait déjà été, on a été plusieurs fois dans ce bar. Elle dit qu'elle chante toujours là-bas, machin. Bon, en gros, c'est pour nous dire, vas-y, on te fait du pied là, faut que t'y ailles. Mais ça, on verra ça dans la vidéo suivante, parce que nous, on s'en va. Ça fait 1h05, comme je vous ai dit, je couperai un morceau.
Et on va sauvegarder. Donc cette petite histoire d'Idol, c'est intéressant parce qu'en fait c'est un petit peu sans spoiler. Hop là, je passe derrière toi. Sans spoiler, en fait, c'est un petit peu l'avenir d'Haruka, en fait. Mais j'en dis pas plus. Pour ça, faudra jouer aux autres jeux. Et si vous y jouez pas, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a peu de chances que je vous fasse, en plus je crois que c'est dans le 5 surtout, de mémoire. Peu de chances que je le fasse un jour. Déjà, les suivants, comme je vous ai dit, c'est tellement compliqué techniquement. Enfin, c'est pas une histoire que ça soit compliqué, c'est pas le mot, mais bon, je vous l'ai déjà dit 120 fois, mais c'est juste c'est extrêmement long. Donc c'est déjà long pour faire le 2. Si c'est très long pour faire le 3, si c'est encore très long pour faire le 4, ça va être très long pour faire le 5, voilà quoi. C'est vrai que dans un monde idéal, hein, je l'avais déjà dit, mais j'aimerais bien faire tous les Yakuza, mais je crois pas que ça va être possible. Mais bon. On a sauvegardé, donc on s'arrête là. En espérant que cette vidéo vous a plu. Désolé hein, pour la petite coupure, mais bon, je pense que vous allez me pardonner parce que c'était surtout des allers-retours inutiles en essayant des choses. Hein, donc, comme ça, ce sera une vidéo plus courte. Donc n'hésitez pas à commenter, et puis on se dit à la prochaine pour la suite. Allez, à plus !